Yo les potes, Tonio, comment allez-vous? Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui les gars pour la fameuse série des SMS. Je suis accompagné comme d'habitude du poteau. Toujours là mon pote, toujours présent comme le président. Qu'est-ce qu'il y a mon pote? Petite punchline. Bon vas-y enchaîne. Donc là cette fois-ci, la particularité des SMS, ça va être des SMS de papa et de maman à leurs enfants. Les parents ça s'est clashé, hein. Et vous allez voir direct, hein. Ça met des petites fessées. Il y a des gros manques de respect tu vois. Justement je pense que c'est plus facile de manquer de respect à son enfant que de manquer de respect à une autre personne parce que tu le connais particulièrement tu vois. Bref. Let's go. Attends, j'en ai un gros, il est énorme aussi. T'es prêt? Les gars, c'est un père. Elle est énorme, gros. C'est un père qui envoie un message à son fils. Il lui fait: tu as oublié ton portable à la maison. C'est quoi? Pardon. Oh putain. Oh là. Bon, j'en ai une autre, t'es prêt? Attends, t'imagines après le daron, il engueule son fils en disant: je t'ai envoyé un SMS, tu m'as pas répondu, ça l'a enculé. Bah en fait, quand il a eu le téléphone de son fils dans la main et qu'il a commencé à envoyer un SMS à son fils, et puis dans sa main droite ça a vibré, il a dû comprendre qu'il était vraiment con, tu vois. Oh mon dieu, là j'ai l'air un SMS, gros, un message, il est énorme. Vas-y. Donc sa fille envoie à son père: tu te rappelles, aujourd'hui c'est l'anniversaire de maman. Non, c'est pas sympa, appelle-la. Non, non et non, je veux pas, je ne l'aime pas, elle va vouloir qu'on fasse l'amour, ça me rend malade. Quoi? Oh mais c'est dégueulasse. Ah non mais ça c'est dégueulasse mec. Non mais gros c'est chaud, tu dis ça à ta fille ou à ton fils ou je sais pas. Tu dis que ta mère elle est dégueulasse. C'est chaud quand même. C'est horrible. Oh non, mais c'est... Donc son père envoie un message à son fils: hey fils, 9 mois avant cette date, ta mère et moi avons fait l'amour sans protection. Je prends ça comme un joyeux anniversaire. Franchement elle est énorme celle-là. Oh putain, ça je la retiens. Je te jure, quand j'ai un gosse, je lui fais: papa, ça fait combien de temps que tu es sobre? 25 ans pour l'alcool et 17 minutes pour le porno. Ok, merci pour les détails papa. Donc là, message de maman: les lundis c'est comme ton père, ça vient trop vite. Ah putain maman t'abuses. Oh mais c'est dégueulasse. En gros tu sais que ton père est précoce quoi, c'est chaud. Gros, c'est chaud de ouf. Tu sais que t'as été conçu en 10 secondes quoi. Donc il y a son fils qui envoie un message à son père: papa, qu'est-ce que j'achète à Julie pour nos 1 an? Une bougie. Une bougie? Oui, les salopes adorent les bougies. Hein? Ouais. J'en ai un là, c'est énorme. Ah mais c'est chaud. Il y a son fils, qui dit à sa mère: j'ai quelque chose pour toi. Il lui envoie, tu sais, une bite. Sa mère lui envoie une bite plus grosse. Elle lui répond: le mien est plus gros. Et après il lui renvoie une toute petite bite, il lui fait: ça c'est ton père. Alors non, le gosse il rigole, et après elle lui met: lol, ne lui dis pas que je t'ai envoyé ça. Non mais c'est quoi cette famille de consanguins? Non mais gros c'est chaud. En plus tu vois bien au bout du sgeg, il y a le petit jet, tu sais, la énième. Pardon, comme on dit là. Il sperme? Bah ouais. Oh, il joue à la biscotte tu crois? Donc c'est une mère qui envoie à son fils: ta tante vient de décéder, lol en majuscule. Donc le fils il fait: quoi, tu trouves ça drôle? Elle répond: ce n'est pas drôle, David, qu'est-ce qui te prend? Puis il dit: maman, lol, ça veut dire locked in, hot load. Pardon pour mon anglais, donc ça veut dire tu rigoles. Et la mère, elle dit: oh non, j'ai envoyé ça à tout le monde, je pensais que ça voulait dire lot of love. Lot of love, il faut que je rappelle tout le monde maintenant. Le malaise. Non, ça c'est malaisant en fait, c'est pas drôle. Mais gros, c'est épique, cherche pas, arrête. Papa, tu as eu plein de copines en ton temps, comment faire pour que Magali me fasse une fellation? Elle refuse. Dis-lui que ton ex le faisait. Non mais t'imagines, déjà gros, t'envoies un message comme ça à ton daron, et lui te répond limite, bah dans ton sens, tu vois. C'est épique. Solidarité masculine. Solidarité masculine. C'est trop ça en plus. Genre de père. Je serais ce genre de père, mon pote. Je suis sûr que tu serais le genre de père qui dira à ton fils: utilise pas de capote pour augmenter le plaisir. Ouais, carrément. Je dis: mec, les capotes ça flingue le plaisir, ne mets pas ça. Mais assure-toi qu'elle prend la pilule quand même. Et si elle prend pas la pilule, tège-la. Donc c'est une fille qui envoie à sa mère: je vais venir te croquer les tétons si tu continues à faire ta coquine. Oh mon dieu, maman, ne lis pas le message précédent, il ne t'était pas adressé. La mère répond: je m'en suis douté, puis tu sais, je suis vacciné à vie de toute envie de t'avoir à nouveau au sein. Et puis la meuf répond: je suis morte de honte. Ok, donc il y a une mère qui envoie à son fils, qui s'appelle Damien au passage, joli prénom. Damien, qu'est-ce que ça veut dire? JSP, JTM et ++, point d'interrogation. Donc le fils il répond: je sais pas, je t'aime à plus. La mère répond: bon ok, je demande à ta sœur. Donc ça c'est une maman qui galère avec les SMS et tout ça, elle connaît pas le langage texto, mais c'est pas grave, mon frère, mais ma mère c'est le genre à taper Google dans Google. Ça, c'est vrai. Non ça c'est vrai, je te promets.
J'ai fait tomber mon iPhone et il est cassé. J'ai dû aller en acheter un autre 600 euros. Tu sais ce qu'on dit, faire tomber l'iPhone, c'est comme le sexe. Tu peux le faire plein de fois, sans protection, sans que rien n'arrive. Mais il suffit d'une fois pour que ça ruine ta vie. Super, merci. pas mal la petite... Tu vois, le petit message subliminal. Donc elle dit à son fils, s'il te plaît, arrête de changer le logo de Google tout le temps, je préfère l'original. Puis lui répond, maman, c'est pas moi qui change le logo, c'est Google. Puis elle répond, sur mon ordinateur, c'est pas toi qui me fais marcher Google. Il fait, si c'était moi le patron de Google, je ne roulerais pas dans une Twingo. La daronne. Bah, franchement, elle est pas mal. Mais souvent, les parents, ils sont comme ça. Ah, ils sont perdus, gros. Tu leur demandes. Ouais, ouais. Non, mais genre, par exemple, tu demandes à ton daron de changer une chasse d'eau, là, il est présent, tu vois. Par contre, tu lui demandes juste d'allumer un PC, gros, il est perdu, tu vois. Non, mais même pour installer un antivirus, ils ont besoin de temps pour cliquer suivant, terminé. Tu vois le délire. Eux, ils croient que tu fais un truc de fou, tu vois. D'ailleurs, tu veux une anecdote de ouf? Vas-y, dis-moi. Les grands-parents de ma copine, ils ont su que je faisais des vidéos. Du coup, ils ont voulu en voir. Sauf que quand ma copine, elle allait sur YouTube et qu'elle a mis une vidéo, eh ben, ils ont demandé s'ils allaient devoir payer. Et voilà, la vidéo elle est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu énervé de la street zère. Marque en commentaire si tes parents aussi, ils s'y connaissent que d'aller sur internet ou que ce soit avec un téléphone et que eux aussi t'envoient de la merde. N'hésite pas aussi à m'envoyer les pires SMS que t'as reçus sur le Twitter, sur mon Twitter les gars, le lien sera en description, ainsi que la chaîne du poteau. C'était tout pour moi. Benny, je te laisse le mot de la fin. Bah pareil, c'est tout pour moi aussi, prenez soin de vous, c'est le plus important. On se retrouve très vite sur la chaîne de YouTube de Tonio et la mienne. Peace les frérots. Ciao, bye bye. Et n'oubliez pas, moins 5% chez Burn Controller avec le code Tonio et moins 3% chez G2A pour des jeux pas chers. Bisous. Sur Paoli, t'as peur que ta meuf aille voir ailleurs. Tôt ou tard, elle le fera. Si t'as sur Paoli, elle ira voir ailleurs. Là.